Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Non. Non. Non, mais... Encore une pub à la con ! Maman, c'est toi qui as touché à l'enveloppe ? Quelle enveloppe ? Non, rien, laisse tomber.
Salut Betty. Salut Marion. Bah alors ta mère apparaît? Non, non, elle m'a laissée au bout de la rue, elle était très, très pressée. Eh ben monte, je finis une robe pour une cliente. Ok. Alors, où est-ce que tu nous as foutu ce livre? Tant pis, je ferai ça ce soir. C'est parti. Je le trouverai jamais, si tu lis. Alors, voyons voir quel indice ils m'ont laissé. Une croix? Je perds. Voyons voir où il y a une croix là-dedans. Hey, là, il y a une croix dans un portail. Et ces signaux bizarres à côté. C'est un code. Ne dis rien, je vais t'expliquer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ton grand-père était l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. Il a inventé une machine qui permettait de prendre la vie à certaines personnes et de la redonner à d'autres. C'était l'extracteur d'âme qui était prisé par beaucoup de personnes. Il y a des gens mal intentionnés qui voulaient voler cette machine pour faire fortune et vendre les âmes. Grand-père n'était pas un idiot, donc il cacha son invention.
Et malheureusement, des espions à ce moment-là le kidnappèrent et le tuèrent. Donc c'est pour ça qu'il veut que tu retrouves cette invention et que tu la détruises. Et le code doit être caché dans l'une des pages de ce livre. Non, attends. Il est tard, on va se coucher maintenant. Tu feras ça demain. Salut Betty. Salut Marion. T'as bien dormi? Ouais. Ta mère vient te chercher vers 11h. Ok, pas de soucis. Dans la voiture. Dis, on a quelque chose de prévu demain? Demain? Non, je crois pas. Il n'y a pas papa qui devait emmener mon frère à Boussieu ou pas? Ah, pour ses trains. Mais ça t'intéresse les trains maintenant? Non, mais j'aimerais bien venir. Ah bon? Bon, écoute, on se téléphone vite. Ouais, pas de problème. À bientôt. Allez Sophie, on y va. Ok. Il faut que je te parle. Quoi? Voilà, il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de papy. Arrête tes conneries, t'es trouvé qu'il est mort. Si, je te jure. Même qu'elle était adressée à moi. Regarde. Voir. Alors voilà, il y a quelques jours, comme je te disais, j'ai reçu une lettre de papy. Une lettre bizarre, elle m'expliquait qu'un danger menace la Terre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce danger, c'est le marché des âmes. Ce marché commence à prendre vie grâce à l'extracteur d'âmes que papy a inventé pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Et justement, il y a des personnes qui veulent à tout prix l'avoir pour gagner des millions et des millions d'euros avec. Et c'est pour ça que papy nous demande de le détruire dans cette lettre. Il faut faire vite. J'ai déjà commencé à trouver des indices chez Betty. Un faux livre et une croix dedans, avec d'autres indices. Et j'en ai déduit que la prochaine chose à trouver, c'était à Boussieu-le-Roi, dans une station de train. Tu es partant ou pas? On y va. Thank you.
Alors on s'intéresse au train maintenant? Ouais. Tout est ok? Oui, oui, oui. Allez, c'est parti. Let's go. Viens vite! Normalement aujourd'hui je devrais aller à mon club. Et tous les abonnés seront. Viens vite! Je suis en raccourci pour aller à la station. Dis, on arrive bientôt! Arrête de te plaindre! T'es pas sportif toi! Tu parles, il était fameux ton raccourci. Ah, je crois bien qu'on aurait plutôt dû prendre à droite. Ah ben regarde, on y est à ta station. Ah, enfin. Ça peut être... Je sais pas, moi. Mais aide-moi, toi, au lieu de te marrer. Alors, 123 traverses. À mon avis, on devrait plutôt commencer par à compter ici. 123 traverses. Enfin, je dis ça, moi. Je dis rien. T'es trop fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6. 121, 122, 123. On y est. Enfin. Bon allez, maintenant il faut trouver cet indice. La belle affaire. Il y a quelque chose de ton côté? Rien. Ah! Trouvé! Fais voir! Là! Ah ouais? Tu vois, c'était le truc de Crusol là avec la pierre. Ouais, ça ressemble bien. Hein. Attends, je le prends en photo. Mince, vite, on est à la bourre! Vous en avez mis du temps, qu'est-ce que vous avez fait? Désolé pas, on déplaçait un wagon sur votre garage. Ah bon? Parce qu'après si vous arrivez des emmerdes, c'est sur moi que votre mère va crier, hein? On est là, c'est l'essentiel. Ouais, enfin. Est-ce que je peux aller faire de la randonnée aujourd'hui? Tu vas aller où? Au château de Crusol. Bah, si tu veux, t'emmènes le chien. Oh non, j'ai pas envie d'aller promener le chien. Bon alors, mets bien tes baskets. Hein. Mmh. Vois si ton frère veut aller avec toi. Thomas? Yes?
Est-ce que tu voudrais venir avec moi au château de Crussol ou pas? Sorry, what do you want? Oh non, ne recommence pas avec ton anglais. Come on! Bon. Would you like to come with me at the Castle of Crussol? Yes, of course. Good! Avec une grosse croix, l'extracteur d'améthyste ici, il nous entraîne dans une chasse au trésor interminable avec des indices à la con. Calme-toi. Me calmer? Mais comment voudrais-tu que je me calme? Ça fait 3h30 qu'on cherche cette silhouette de pierre. Oh, j'en peux plus, j'arrête, j'en ai marre, c'est trop dur. Déchire le pain. Dis, hein. C'est ouais. Quoi ça? Ben c'est des coordonnées géographiques, je crois. C'est quoi? Ben en fait, si tu veux trouver, par exemple, si tu veux situer une chose quelque part, ou par exemple connaître les positions des avions, tu insères ces coordonnées dans un site genre... Google Earth? Ouais, par exemple. Ah! Oh putain, il est 5h30, faut qu'on y aille vite. Déjà? Ouais. Dépêche. Ok. Allez. Dernier en bas. Allez. Mais c'est pas la maison d'Antoine, ça? Thomas, viens voir! Quoi? Regarde où ces coordonnées géographiques nous ont placés. Mais c'est la maison d'Antoine. Ça veut dire que Antoine connaissait Papy? Chips? Salut! Ah, salut! Alors, ça va? Bah ouais, super, et toi? Ah bah... Nickel, hein, tu me connais, comme d'habitude. Ok. On voulait te demander... Moi aussi, j'ai bien, ne vous inquiétez pas. Hein. Okay. Bref, on voulait te demander, est-ce qu'on peut aller dans ta voie, s'il te plaît? Bah oui, hein, bien sûr. Ah, si merci, vous voulez, je te l'ai dit. Bon, bah, ouais. Plus alors. Hein. Ouais, bah, allez, de rien, hein, si ça vous fait plaisir. Merci. Ouais. Dis, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est un GPS. Ça nous permettra de trouver plus facilement, mais cacher l'extracteur d'âme, au lieu d'aller chercher pendant une heure dans la forêt. Ouais, ça tu l'as dit.
5, 4, 3, 2, 1. On y est. La blague. Ce n'est pas une blague. Alors, c'est quoi? C'est là où se cache l'extracteur d'âme. Je crois qu'on se fout un tout petit peu de notre gueule. Un tout petit peu. Il aurait pas pu mettre une pancarte avec écrit « C'est ici, appuyez sur le bouton !» Non. Ben non. Bon, on commence par où? Toi tu cherches ici, moi je cherche ici. Pas vraiment le choix. On dirait une chasse aux œufs de Pâques. C'est clair. Allez les enfants, celui qui a trouvé l'extracteur d'âme, il aura le droit de le détruire. Chercher un objet pour donner une plombe avec pour seule récompense de le détruire. Génial. Chronologique, le vieux. Tu l'as dit. Enfin bon, on n'est pas là pour se plaindre, on a une mission à accomplir. Tu parles d'une mission? Bah, ça a quand même un rapport avec l'humanité tout entière, hein. Tu parles, tout à l'heure tu voulais tout abandonner. Oh, ça va, hein. Alors comme ça, madame change d'avis comme elle veut parce qu'elle va sauver le monde. T'as tout compris? Complètement. C'est quoi ce truc qui brille? Une bouteille de bière. C'est quoi ça? Oh, j'ai trouvé l'extracteur d'âme! Quoi? J'ai trouvé l'extracteur d'âme! J'arrive! J'ai trouvé l'extracteur d'âme! J'ai trouvé l'extracteur d'âme! Ouais! Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé l'extracteur d'âme! Le que quoi? L'extracteur d'âme. Hein? C'est quoi ça? C'est une longue histoire. Ça attendra la prochaine fois. Et oui, nous aussi on est à la recherche de l'extracteur d'âme. Mais vu qu'on est plus malin, on a placé un émetteur GPS dans ta sacoche. Mais c'était... C'était le prix? Tu te souviens, au château de Crusoe, tu as bousculé une personne à un moment? Espèce de sale! Voyons, pas d'insultes sortant de la bouche d'une si jolie fille. Bon, passons aux choses sérieusement à l'extracteur d'âme. Jamais! Donne-le-moi. Mais vous comprenez pas le français? J'ai dit jamais! Bon. Run, rabbit, run! Oh non, encore de l'anglais! Courez! Tiens! Serait-il le plus courageux, le petit frère? Déjà plus courageux que les deux chiens. Et insolent en plus. Les gars, la chasse est ouverte.
seul à un projet pas de garder l'extracteur d'âme. Tu m'as bien l'air certain. Déjà plus que vous. C'est ta dernière chance, donne-moi l'extracteur d'âme. Non! Je compte jusqu'à 5 avant de tirer. 5, 4, 3, 2, 1. Tu es sûr que tu veux pas me le donner? Donne-le-lui! Jamais! 0. Bye bye. Dans le sens inverse de l'émission, je pourrais localiser le remplacement. Mais si, on peut toujours essayer. On va devenir riche. Très très riche grâce à ça. Mais comment? Réfléchis un peu. L'extracteur d'âme permet d'enlever des âmes. Donc? Donc ça tue des gens. Oui, et? Et on peut le revendre cher. À des personnes souffrantes ou des familles de défunts. Voilà. Mais comment ça marche? C'est dangereux? Ben, essaye-le sur toi, pour voir si ça fait mal. Bien sûr que c'est dangereux, puisque ça tue des gens. On commence quand? Je sais pas, dans 20 ans. Mais c'est très long à attendre, ça. Mais non, idiot, maintenant! Ah. Je propose qu'on se cache là, en attendant. Il y a un mec qui arrive. Il a goûté aux joies de la mort. On le prend. Go! Ah! Au secours! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Arrête de regarder! C'est un extracteur d'âme! Ah, la gueule! Mais comment ça marche? Mets-le sur son buste et appuie sur le bouton! Vite! C'est bon! Je pense. C'est bon. Donne-moi ça. N'est-elle pas belle? Wow. Avec ça, on va se faire plein de thunes. On va devenir riche, très riche. Tu vois, il me suffit grâce au logiciel Foundit de rentrer le code barre et les trois chiffres se trouvant au dos, et le logiciel va renvoyer l'émission du GPS à son envoyeur. Tu comprends? Mais ça a l'air super. Tu rigoles, c'est géant, ouais. Ça y est, ils ont été localisés. Alors, ils se trouvent derrière la mairie de Bourg-lès-Valence. Ok, on y va? C'est parti. Monsieur Lafriche? Oui, bonjour. Alors, j'ai votre âme comme convenu. Rendez-vous alors dans 2 heures? Derrière la mairie de Bourg-lès-Valence? Très bien. Pour le prix, ça sera de 10 000 € en petite coupure. Dans une valise? Parfait. Eh bien, à tout à l'heure. Au revoir. 10 000 € les gars! 10 000 €!
Regarde, c'est eux qui ont tué ton frère. Non, attends, t'es folle, pas tout de suite. Ils vont te tuer toi aussi si tu vas. On attend, et après on les attaquera. Bonjour, monsieur Lafiche. Bon. On t'est prête? Plus que prête. Ouais. T'es sûr que tu veux y aller, hein? Mais oui! Bon. Ok. Alors à trois. Un. Un mal à fiole. Vite! Voici la fiole. Deux. Sophie! Antoine! Chez Lixa! Sophie? Oh, Sophie, oh, ça va? Ah, ça peut aller. Bon. Ben, il est vivant. Quoi? Eh ben ton frère. Oui. Il est vivant. Vivant. Ah. Et ouais. Ah. 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 Trop bien. Eh, c'était la dernière fois quand à la rivière. Eh ben il y a des gens qui sont passés et il a pu être hospitalisé. Non. Et si. C'est pas vrai. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ah. Faut qu'on aille le voir. Oui, tout de suite. Ouais. Thomas. Thomas. Alors. Oh. Excuse-moi. Bah. Tu vivant, j'arrive pas à croire. Ah, ouais. Heureusement, la balle a juste éraflé, mais ça va, Thomas. Oui. Ouais. Tant mieux. Thomas. Bien. Bon, et ben, on se fait une pizza. Allez, on va. C'est moi qui offre. Ah. Descends, on y va. Bon. C'était bien sympa, hein? Ouais, bah merci pour ouais, passer. Ouais, c'est bien de rien. Ça va autrement, oui. Parce que vraiment, c'est un peu dur. Allez, salut. Bon, bien. Allez, ouais. Salut, Guillaume. À vous aussi. Hein. Bon, bah merci beaucoup, au revoir. Salut. Salut, à Guillaume. Prochaine. Viens, faut que je te montre un truc. Non. Tu sais, toutes tes aventures. Oui. Elles sont pas arrivées par hasard. Je sais bien, et alors? Tu te rappelles de ce que papy avait dit dans sa lettre? De... De... Détruire l'extracteur d'âme. À toi, Dieu. We'll be right back.
Comme convenu. Rendez-vous alors dans 2 heures. Derrière la mairie de Bourg-les-Valence. Très bien. Pour le prix, ça sera de 10 000 euros. En petit coupon. 123 traverses. Avec cette croix. C'est un code. Ne dis rien, je vais t'expliquer. Jamais, faut jamais faire ça, jamais. Allez, coupé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ton grand-père était l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. Il a inventé une machine qui permettait de prendre la vie à certaines personnes, ta gueule. Le col doit être chassé. Je tombe. Action. Vous devenez riche, très très riche grâce à ça. Mais comment ? Réfléchis un peu, c'est l'extracteur d'âmes, ça permet d'extraire des âmes. Donc ? Donc vous êtes du dénon ? On l'a repéré ! Très bien ! Action. On va devenir riche, très très riche grâce à ça. Il y a de l'enthousiasme, c'est fou !